le vélo standard. Le vélo a deux roues et un guidon. Alors, à partir de cela, on aura aux yeux des dieux. À certaines petites questions avant de revenir, le mariage a été prévu par Dieu pour assurer le mariage en soi est l'une des dispositions que Jéhovah a prises dans le verset 22. Et si nous lisons Genèse chapitre 1, le besoin de s'allier à quelqu'un. Et cet homme avait besoin d'une aide qui lui corresponde afin d'accomplir toute la mission que Jéhovah Dieu lui avait confiée, qui consistait à étendre la terre et à les rendre un paradis. Mais l'une des premières questions, qui serait le premier mariage? Et pour combien de temps devait-il durer? Chapitre 2. La parole inspirée, la Bible dit ceci au verset 21 et au verset 22. La parole inspirée nous dit ceci. Alors Jéhovah, il prit une de ses côtes, puis Jéhovah Dieu fit une femme. Il est verset 24. Allons-y, voir qu'est-ce qui se passe. Au verset 24, il est dit ceci. C'est pourquoi l'homme quitta son père. Avons-nous vu, selon les versets 21 et 22, la première personne qui célèbre le mariage comme nous le faisons maintenant, c'est Jéhovah Dieu. Alors, des rangs unis. Nous avons donc les réponses à ces deux premières questions que nous nous sommes posées. Qui célèbre le premier mariage? Alors, lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 1 verset 11, il y a l'amour et le bonheur. Mais que faut-il faire maintenant pour que ces deux permanents? Que faire pour assurer la stabilité du mariage dans l'amour et le bonheur? Alors, pour que mariage puisse durer, nous avons besoin de prendre en compte deux conseils. Le premier, c'est celui-ci. Frère David, sœur Olive, et vous tous qui êtes ici, que vous soyez fiancés ou mariés, le premier conseil à prendre en compte, c'est que Dieu doit prendre la première place dans votre couple. Ou alors dans notre couple. Si Dieu ne prend pas la première place, c'est que notre mariage est foutu. Nous pouvons comprendre toute la profondeur qui est dans ce que nous venons de verset 9, 10 et 12. Ce verset, Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9, il est dit ceci. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont une belle récompense pour leur dur travail. Devant Dieu, on ne résistez pas, quelle que soit notre force. Il a dit de même pour ce qui est du mariage. Si vous êtes seul, en soyez pas prêt. C'est aussi grand. Mais est-ce que nous avons noté le verset 3, le troisième verset, le verset 12. Il dit un cordon triple. C'est-à-dire qu'il y a trois mèches. Trois. Et vous tous qui êtes mariés, c'est ça en soi. C'est-à-dire, lorsque vous êtes ensemble avec Jéhovah, votre amour et votre bonheur sera éternel. C'est venir, nous tous qui sommes mariés ou ceux qui veulent se marier. Nous le reprenons, Dieu doit prendre la première place. Le deuxième conseil à prendre en compte, c'est que avoir confiance dans les conseils des dieux. S'il prend la première place, c'est qu'il faut avoir confiance dans les conseils que Dieu vous donne. L'olive, à tout Seigneur, tout honneur. David et l'olive, et nous tous qui sommes mariés, et bien sûr peut-être les fiancés, pour conseil. Mais en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Confiance. Chaque fois que vous soyez fâchés ou pas, faites l'étude de la Bible ensemble. Et la Bible, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sur le plan théocratique, essayez d'associer votre épouse ou votre époux. Et c'est contre, si vous voulez que votre mariage ait de l'amour
avons dit deux conseils. Un, Dieu doit prendre la première place. Deux, suivez les conseils de Jéhovah. Et en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier ensemble, pratiquer les cultes ensemble, mais aussi étudier la Bible ensemble. Quel avantage vous aurez? C'est que cela va vous rapprocher l'un de l'autre. Mais le devoir de tout un chacun. Et lorsque nous allons parler de David, écoutez attentivement votre conjoint. Mais aussi, habituez-vous à vous manifester des petites choses qui manifestent ou qui montrent que vous avez de l'âme. Quand il parle de déchets. Chez nous, parfois, on a du mal à pouvoir déchaîner en présence des gens. Appelez l'âme, chez nous. Honorable, nous l'avons vu. Mais pourquoi vous ne pouvez pas être bien? Pourquoi ne pas le bien? Ça fera du bien. Voilà. Alors, nous avons dit de vous deux, le maître mot, c'est l'amour. L'amour, le vélo, c'est Jéhovah. Le guidon, c'est son principe, la sœur Monique. Et la chaîne qui nous, qu'avec ces petits conseils, vous serez à même toujours, toujours le premier à avoir institué le mariage. À présent, nous vous supplions de vous lever pour que vous puissiez nous prouver par vos vœux que vous vous êtes pris en mariage. À tout Seigneur, tout honneur. Voulez-vous vous lever? Alors, nous voulons que le frère David prononce ce vœu pour nous rassurer. Je te prends pour femme. Je vais t'aimer. Simple, c'est la prière dans l'étape du mariage. Je te plains d'être institué par Dieu. Après, je te prends pour mari et fais le vœu de t'aimer, de te chérir et de manifester un profond respect conformément à la loi divine apportée dans le sein de Dieu à l'intention des femmes chrétiennes. Aussi longtemps que nous vivons ensemble. Sur la terre, dans le cadre du mariage, l'être humain a été institué par Dieu. C'est sûr qu'il a été prévu les annonces. Thank you.
Je ne sais pas si tu as un peu de temps.